Merci d'être là pour accueillir des auteurs qu'on n'a pas l'habitude de recevoir chez nous, pourtant qui sont. Vous avez quand même publié pas mal de bouquins chez nous déjà, il me semble. Mais vous faites l'habitude des grandes conférences dans. En tout cas pour Avalanche, vous avez fait des grandes conférences devant des assemblées un peu plus, on va dire, professionnelles, non? Oui, ou pratiquants, disons. Des pratiquants un peu expérimentés, chevronnés, pour les clubs alpins, pour aussi professionnels aussi, ou les clubs de montagne. Parce que donc nos auteurs ici présents, qui vont se présenter, donc Olivier Moiret, Philippe Descamps, ont aussi écrit un livre avant sur les avalanches, un guide pour les avalanches. Mais peut-être commencer par vous présenter, parce qu'on ne vous connaît pas très bien. Et il y a souvent des gens qui me demandent si vous êtes guide pour écrire des guides. Non, on n'est pas guide. Voilà, c'est pas grave, hein, on se porte bien quand même. Je commence. Vas-y. Du coup, alors moi, donc, je suis Olivier Moiret, skieur depuis pas mal d'années. J'ai travaillé comme rédacteur-chef adjoint de Montagne Magazine avec Philippe pendant une quinzaine d'années. Et puis, depuis 8 ans, je m'occupe d'une fondation d'entreprise, Fondation Petzel, la marque Petzel, qui donc est une fondation qui fait du mécénat. Et l'un des principaux objets de cette fondation, c'est de soutenir des projets pour prévenir les accidents, alors liés à tout ce qui est la chute, mais aussi tout ce qui est le domaine des avalanches et de la neige. Voilà. Et dans le cadre de cette fondation, on a notamment, et avec Philippe, publié le manuel technique de l'Union internationale des associations d'alpinisme, qui est traduit maintenant en une dizaine de langues. Et puis en 2016, donc, tu le disais, on a publié ce guide pour prévenir le danger d'avalanche, qui s'appelle Avalanche, comment réduire le risque. Et puis là, tout récemment, Ski de Rando. Voilà, vous êtes là pour le tome 1 de Ski de Rando. Et donc, Philippe Descamps. Alors, moi, je suis Philippe, je suis journaliste. En fait, ma seule expertise, c'est en fait le journalisme. La montagne, c'est un plus. Disons qu'on a fait avec Olivier et l'équipe de montagne à l'époque, on a essayé de faire du journalisme sur la montagne. Voilà, aujourd'hui, je travaille au monde diplomatique dans un tout autre univers. Sur les questions internationales. Aussi, l'info aussi, voilà. Diplomatie. Et je suis passé aussi par la fondation Petzel, juste avant Olivier. Donc, je me suis beaucoup intéressé à l'accidentologie, la question du risque. À la fois, nous, ce qu'on a essayé d'apporter, c'est justement un regard, non pas de professionnel de l'accompagnement en montagne, mais un regard de journaliste pour transmettre un savoir, notre pédagogie, et aussi une culture sur le ski de randonnée. Il y a deux dimensions dans le bouquin, alors essentiellement pédagogie, mais aussi une histoire, une culture, mais ça, je crois que Lorraine, tu voulais dire des choses peut-être. Oui, mais moi, je vais peut-être vous lire un petit passage là, pour commencer. Mais aussi, je voulais vous dire, vous n'hésitez pas à poser des questions, hein, si jamais, comme d'habitude, c'est toujours le même principe, ici, on pose des questions, et on intervient quand on a envie d'intervenir. Enfin bon, en tout cas, non, avant de commencer à lire, je voudrais quand même savoir la genèse de ce livre. C'est vrai qu'il est sorti donc, cette année, donc l'année dernière, personne n'a pu pratiquer le ski de normal, de piste. Est-ce que ça non, le ski normal, c'est ça. Le ski de piste, c'est un truc qui est vachement récent, mais le ski de piste, ça date des c'est années vrai. 1930. Ce qu'on explique, c'est le ski d'Andelé, ça existe depuis 10 000 ans, donc c'est ça le ski normal. Oui, c'est vrai, mais bon... Les gens étaient quand même habitués aux remontées mécaniques. Voilà, et donc tout le monde s'est mis au ski de rando sans savoir ce que c'était. Donc l'année dernière, enfin, ça, il y a énormément de novices qui sont arrivés. Donc, l'idée du guide et de. Bah oui, on a vu en fait des tas de gens qui se sont mis au ski de randonnée, qui sont allés louer et puis qui ont été assez enthousiastes de découvrir cette activité. Mais en même temps, on voyait que, bah voilà, comme toute activité qu'on débute, bah, y a un certain nombre de clés qu'on n'a pas, un certain nombre de tuyaux qu'on n'a pas. Et donc, ça nous a donné envie, avec l'édition Guérin, de publier vraiment un livre pour décrire vraiment les premiers pas. Nous, on a essayé vraiment de se mettre en tant qu'auteur dans la peau de quelqu'un qui découvre complètement l'activité, qui ne sait pas ce que c'est qu'une peau de phoque, qui ne sait pas ce que c'est qu'une fixation de ski de rando, qui ne sait pas ce que c'est qu'une chaussure de ski de rando. Et on a vraiment essayé de parler à ce public-là, donc pour les toutes premières sorties, et puis ensuite, au fil du livre, de les amener vers l'autonomie, c'est-à-dire être capable d'organiser soi-même
une sortie. Pas forcément dans un terrain difficile, hein. L'idée c'est pas d'être très technique, mais au moins d'être capable de gérer l'itinéraire, sa sécurité, la sécurité des gens avec qui on est. Donc c'est vraiment le programme de ce livre, les premières sorties à l'autonomie, c'est le titre. Avec en fait un double objectif, c'est à la fois la démystification, parce que souvent pour les gens, alors le ski de randonnée c'est relativement pratiqué, par exemple dans des villes comme Chamonix ou Grenoble ou Annecy, il y a beaucoup de gens qui le pratiquent, mais ça reste quand même une part de mystère ailleurs au-delà, quoi. Et donc on a voulu démystifier en disant que tout le monde peut faire du ski de randonnée, c'est vraiment à condition de pas brûler les étapes. Et donc notre objectif c'est aussi de démocratiser cette activité. On pense que c'est une telle activité, enfin c'est pour nous, c'est l'activité par excellence, c'est le plus beau sport, la plus belle activité qu'on puisse faire dans la nature. Donc on a envie de le faire connaître et donc de démocratiser en donnant des clés pour le vécu. C'est vrai qu'on a toujours eu l'impression que c'était réservé à des initiés. Mm-hmm. Et puis aussi que, enfin, moi en tant qu'enfant de la vallée, avant on ne faisait du ski de rando qu'en fin de saison. Oui. Alors que maintenant, c'est le printemps. Maintenant ça commence en octobre, dès qu'il y a la neige. Ouais. 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 Enfin, ça a complètement changé, quoi. Oui, puis il y a le ski de rando, comme pas mal de pratiques de montagne, il y a toujours une dimension un peu élitiste. Hein. Le monde de la montagne aime bien l'élitisme, aime bien ce qui est difficile, ce qui est risqué, etc. Et le ski de rando a pâti un peu aussi de cette image-là. Ouais. Or, nous, ce qu'on montre à travers ce livre, c'est que en prenant quelques précautions, et tu vas lire un chapitre là-dessus, ouais. On peut parfaitement pratiquer, débuter le ski de randonnée sans être tout de suite confronté à des tas de problèmes techniques, avalancheux, etc. Ouais. Donc voilà, on a essayé un peu de démocratiser à travers ce livre la pratique du ski de rando, et la démystifier un peu. On peut expliquer là pourquoi en fait auparavant on ne pratiquait pas le ski de rando effectivement hormis quand le printemps arrivait. En fait. Pourquoi est-ce que maintenant on pratique dès qu'il y a une chute de neige en début d'hiver, tout le monde est sur le ski de rando? Pourquoi avant on ne faisait pas? Alors il y a un élément clé, c'est les avalanches. Parce qu'il y a beaucoup moins d'avalanches au printemps, on peut plus facilement le problème des avalanches, alors que jusqu'aux années 70, en fait, le phénomène des avalanches, il était assez... Enfin, on savait qu'il y avait des avalanches, mais on ne savait pas gérer ce On devait se faire jouer au printemps, et terminer. Voilà, c'est ça, au printemps, c'était plus facilement... On n'avait pas les DVA, on n'avait pas toutes ces choses-là. Hein. Oui, mais du coup, l'espace, c'était moins vraiment... Oui, et à l'époque, la pratique de l'alpinisme était très importante, alors qu'aujourd'hui, il y a beaucoup, beaucoup plus de... L'alpinisme se fait beaucoup avec des skis, en fait. Aujourd'hui, le ski de randonnée, c'est devenu l'activité de l'alpinisme première, en fait. Alors, de la randonnée, évidemment, parce que c'est la frontière entre randonnée et alpinisme, ou ski de randonnée, ski alpinisme, elle est assez ténue. Mais aujourd'hui, le ski de randonnée est une pratique beaucoup plus massive que l'alpinisme, y compris pour les professionnels, pour les guides. Ils exercent maintenant plus en ski de randonnée. Alors, ils se partagent aussi avec d'autres activités comme l'escalade, le canyon, etc. Mais le ski de randonnée a pris beaucoup d'importance. Surtout que la saison est bien plus longue. D'alpinisme qui dure en gros de juin à septembre, la saison de ski de randonnée, comme j'ai mentionné. Mmh. Aujourd'hui, on attaque dès novembre. Et ça va jusque. Il y en a qui, début juillet encore, les bonnes années, font du ski. Donc la saison est bien plus grande. Pourquoi ensuite il y a des questions de sécurité, de meilleure connaissance d'avalanche, peut-être d'évolution du matériel aussi. C'est beaucoup plus facile aujourd'hui de skier en poudreuse que ça l'était avant, à cause de la forme des skis. Même de l'ensemble chaussures. Fixation, ski a beaucoup beaucoup évolué, ouais. Y compris depuis 20 ans avec la compétition, etc. Ouais. Ce sur quoi on revient dans ton bouquin. Ouais. J'ai commencé quand même par lire le tout début, le seuil des 30 degrés. Quel que soit son âge, commencer une nouvelle activité fait l'effet d'une renaissance. On ouvre la porte d'un nouveau monde avec son langage, sa culture, ses codes. Mais la confrontation réelle peut s'avérer ardue si portée par son enthousiasme et ses rêves, on décide de tout aborder de front. On ne commence pas le piano par une étude de Chopin ou la guitare par un solo de Hendrix. Ce premier chapitre vous propose de jouer vos premières gammes avec les notes nécessaires pour vous faire plaisir, sans buter sur des apprentissages techniques complexes ou vous sentir dépassé par des situations délicates à gérer sur le terrain en s'exposant inutilement à des dangers évitables. Pour vous aider à réussir ces premières sorties, nous vous proposons de rester sous le seuil des 30 degrés.
Nous parlons ici de l'inclinaison des pentes que nous allons parcourir à la montée comme à la descente. En dessous de 30 degrés, on peut progresser sans avoir à réaliser de conversion à la montée. La descente est à la portée d'un skieur à l'aise sur piste rouge et les risques d'avalanche sont limités. Skier dans des pentes de moins de 30 degrés a comblé des vies entières de skieurs. Nombre de pratiquants capables de progresser sur des itinéraires beaucoup plus raides admettent profiter davantage des pentes douces quand le corps et l'esprit, libérés de toute tension, entrent en résonance avec la neige. Ce chapitre s'adresse aux débutants. Il fera également gagner du temps aux autodidactes qui ont le sentiment de tâtonner et souhaitent repartir sur de bonnes bases en restant dans des secteurs de risque modérés. Voilà. Donc 30 degrés, à Chamonix on a du mal avec les 30 degrés. Oui, Chamonix, c'est pas forcément le meilleur endroit pour le ski de randonnée. Hein. C'est vite très raide. Ouais. Par rapport à ce que tu viens de lire, ça donne un peu le ton du découpage du livre qu'on a souhaité. C'est-à-dire que quand on a réfléchi à ce livre, on s'est dit mais comment on va le chapitrer, comment on va le structurer. Et en fait, on s'est dit que ce seuil des 30 degrés d'inclinaison de pente, il permettait de débuter dans des conditions en évitant justement les problèmes techniques trop complexes, les problèmes de gestion du danger trop complexes. Et ça permettait de débuter dans de bonnes conditions en s'affranchissant justement de ces problèmes-là. Et donc on s'est dit, on va concevoir le livre avec tout un chapitre pour débuter dans des pentes en dessous de 30 degrés. Et ensuite, il y a une deuxième partie où là, pour accéder à l'autonomie, on s'autorise des pentes un peu plus raides, mais parce qu'on a déjà acquis tout un certain nombre de bases essentielles dans la première partie. Dans les apprentissages techniques, par exemple, qu'on n'a pas à acquérir en dessous de 30 degrés, c'est la conversion. Alors, quand on monte, on effectue des conversions. En dessous de 30 degrés, pas besoin, on fait un pas tournant assez simple et on n'a pas besoin tout de suite de se confronter à ce geste technique qui est pas évident. Donc voilà pour ça, comment on a voulu structurer ce livre en fait en deux grandes parties. Voilà, en dessous de 30 degrés et après au-dessus avec accès à l'autonomie. Voilà, notre regard de journaliste et dans notre recherche de pédagogie, c'était de bien essayer de découper les apprentissages. Voilà, pour rendre plus facilement accessible en fait cette pratique-là. C'est pour ça qu'on a réfléchi. C'est quoi les questions qu'on se pose quand on veut débuter le ski de rando? Est-ce que je peux me lancer? Est-ce que j'ai niveau? Voilà. Comment je vais m'équiper? C'est des questions qui sont pas forcément évidentes au départ, quand on n'a pas le réseau, quand on n'a pas les amis, etc. Et donc on a essayé de répondre à toutes ces questions. Après, comment on se prépare? Qu'est-ce qu'on fait au départ? Qu'est-ce qu'on fait pendant la montée? Qu'est-ce qu'on fait au sommet? Qu'est-ce qu'on fait à comment gérer une descente. Donc on a essayé de vraiment structurer pour rendre l'apprentissage le plus simple possible. Et on associe souvent le ski de randonnée au risque et à la difficulté, alors qu'en fait, ce n'est pas l'essence de l'activité. L'essence de l'activité, c'est la confrontation avec la nature, avec une neige qui est vierge, donc qui peut être parfois difficile, parfois fantastique. Et pour ça, il n'y a pas nécessairement de la difficulté et du danger. À condition qu'on choisisse déjà un seuil, par exemple, d'inclinaison. Par exemple, on associe le ski de randonnée à la conversion, mais on peut faire du ski de randonnée sans faire aucune conversion. C'est pas lié. Après, quand on sait faire des conversions, on peut faire d'autres choses en ski de randonnée. Il y a plusieurs étapes, mais il y a des belles étapes au départ aussi. C'est ce qu'on voulait essayer de mettre en avant. Et peut-être ce qui effraie un peu le novice dans le ski de randonnée, c'est l'itinéraire. C'est pas évident de trouver son itinéraire. En ski, on a l'habitude d'être ou sur les pistes ou hors pistes, mais enfin, on va toujours en bas, quoi. Enfin, c'est où on peut faire au point d'arriver. Alors que là, c'est un espace de liberté immense qui s'ouvre et c'est pas évident de. Oui, alors c'est une bonne partie de l'activité, c'est même du plaisir, c'est justement de trouver l'itinéraire qui nous convient. Ouais. Alors au début, c'est avec quelqu'un qui nous encadre. Ouais. On était avec un copain guide là juste avant et il disait, mais. Parfois, des collègues lui demandent des tracés GPS. Ils disent non, je ne vais pas vous donner le tracé GPS. C'est votre boulot, justement, de trouver l'itinéraire. Ouais. C'est ça qui est intéressant dans le boulot. C'est de trouver l'itinéraire qui est adapté, qui va bien. Bon, il y a aussi aujourd'hui, pour le grand public, des applications qui sont vraiment très, très utiles. Là, on en présente notamment pour la gestion du risque, mais qui sont aussi dans la gestion de l'itinéraire. C'est associé, la gestion du danger, c'est là aussi la gestion de l'itinéraire. Et ça, on les présente de façon assez concrète.
notamment Yeti, Shitter & Guru, qui sont deux applications encore peu connues, mais qui vont dans les années à venir jouer un rôle majeur en fait dans, dans la pratique, parce que c'est des portes d'entrée vers l'activité. Quoi. Tu parles de neige vierge. On voit de plus en plus sur les pistes de ski, ils ont des gens en post-foil qui montent le long des pistes de ski. Est-ce que vous l'évoquez? Est-ce que vous le recommandez? On évoque, alors dans le livre, on évoque les itinéraires qui ont été tracés dans certaines stations, des itinéraires de ski de randonnée, pour permettre à des gens qui ont peur de gérer un itinéraire en neige vierge, d'avoir déjà un itinéraire balisé à la montée et de pouvoir descendre à la descente sur une piste damée pour des gens qui aussi. Ça peut être pour une toute première sortie, une toute première approche, ça peut être une manière de s'habituer au matériel, de voir un peu comment ça fonctionne. Ensuite, on dit bien que c'est quand même pas l'essence de la pratique. Hein. L'essence de la pratique, c'est d'aller dans la neige sauvage, la neige vierge. Pour ceux qui ont un peu peur de se perdre, etc., il y a quand même, aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui pratiquent. Il y a beaucoup d'itinéraires qui sont des classiques, où on est rarement seul et où on va pouvoir, dans un premier temps, pour des premières sorties, avoir un itinéraire relativement tracé. On va, à la descente, on trouvera toujours un peu de neige vierge à pratiquer, mais au moins pour la montée, on va avoir une trace, on va être avec d'autres gens. C'est possible. Et on recommande d'ailleurs au début d'aller sur des classiques. Et ensuite, plus on évolue, plus on apprend, plus on va dans la deuxième partie du livre, plus justement le jeu, c'est d'aller chercher des itinéraires pas fréquentés, voire qu'on va tracer nous-mêmes. Et là, on touche pour le coup vraiment à l'essence de l'activité. Voilà. Mais c'est vrai que l'an dernier, on a beaucoup vu des gens sur les pistes. Oui. En fait, il y avait de la place parce qu'il n'y avait plus les skieurs alpins. Et c'est une voie de départ aussi. Par exemple, skier sur toute neige, sur une neige qui n'est pas préparée par des dameuses, c'est pas forcément évident quand on se lance. Donc une des manières de se lancer, ça peut être aussi d'aller dans les stations qui ont prévu ça, prendre l'itinéraire de montée, qui est un itinéraire qui est hors piste en tant que tel, mais qui est balisé, donc qui évite de se perdre, et de redescendre par la piste. Voilà, c'est un point de départ. Mais ce n'est qu'une petite partie du ski de randonnée. Le bonheur du ski de randonnée, il est aussi dans la confrontation avec tout ce que disait Olivier. Justement, moi je suis un peu choquée. Là maintenant, depuis la montée mécanique sont ouvertes, même en Suisse, il y a énormément de skieurs de post-foc qui remontent le long des pistes de ski en pleine journée. Est-ce que c'est officiellement toléré? Non. Alors ça dépend des stations. Généralement, certaines stations ont fait des itinéraires spéciaux pour monter, pour éviter qu'il y ait des confrontations avec les skieurs qui descendent. Il y a une difficulté qui s'est posée beaucoup pour les compétiteurs, ceux qui font du ski de randonnée en compétition, enfin du ski alpinisme, s'entraînent souvent à la fin de la journée, etc. Et il y avait eu plusieurs problèmes avec les dameuses, notamment des dameuses qui sont avec des treuils. Il y a eu quelques accidents, malheureusement, entre des dameuses et des skieurs. Généralement, c'était des compétiteurs qui s'entraînaient en fait, sur la piste, en profitant de la fermeture de la piste. Donc il y a des précautions à prendre. Maintenant l'information est mieux passée, il y a de la prévention qui est faite. Alors la solution, c'est justement d'aller vers l'autonomie, et il y a des voies d'accès vers l'autonomie qu'on donne. Et il y a aussi une question qui est clé, qui est celle de, surtout au démarrage, de l'encadrement. Et ça en explique aussi comment, parce qu'au départ, quand on n'a pas de relation, qu'on n'a connu que le ski alpin ou que le ski nordique, on peut se demander comment commencer. Il y a beaucoup de clubs. En fait, la principale entrée dans l'activité, c'est les clubs. On explique un club, il va vous emmener en dehors de la station. Après, il y a évidemment les professionnels, il y a des formules de stage, il y a beaucoup de formules qui permettent de rentrer dans l'activité aujourd'hui. Ce qui se passe aussi, c'est que, mais ça c'est un phénomène plus large dans la société, c'est que on a des pratiques qui sont maintenant de plus en plus solitaires. Et quand on est seul, c'est plus facile sur la piste. Nous, on essaie d'expliquer que personne n'interdit les pratiques solitaires. Hein. Tout le monde a fait un jour des pratiques. Mais c'est perdre une partie de la dimension en fait, de l'activité que de la faire seul. Il y a aujourd'hui moult moyens de rencontrer des compagnons ou des compagnes de course. On donne quand même, pour ceux qui sont amenés parfois à débuter, même seuls, on donne quand même quelques,
quelques conseils, quelques précautions pour si on est amené vraiment à débuter seul pour éviter des galères ou même des risques. Voilà. Donc on ne veut pas ignorer voilà, que des gens sont amenés à débuter seuls, donc on l'a précisé dans le livre. Enfin, c'est très technique aussi par rapport au matériel, parce que c'est vrai que pour pas mal de gens c'est tout est nouveau. Quoi. Mm-hmm. Et, enfin, moi j'ai un filleul qui vend des skis de rando justement et qui me disait que l'année dernière il y avait des gens qui les. Pendant évidemment le Covid et donc comme il n'y avait pas de piste, qui voulait faire absolument du ski, mais qui avait acheté tout le matériel, puis après une fois arrivé en bas des pistes, il retéléphonait, mais comment on fait déjà? Ils ne se rappelaient plus, ils ne savaient pas faire, enfin ils étaient incapables de gérer quoi. Donc ouais, bah, on prend ça par le menu, voilà. Comment on chose, comme le... Oui, ils mettaient la poêle en verre, après ils savaient plus, quel type de peau, quel type de bâton, comment on porte, mais il y a beaucoup d'éléments techniques qui font que la randonnée peut être une galère ou au contraire un moment de plaisir, ne serait-ce que bien poser les bâtons, bien les utiliser déjà, savoir faire glisser les skis, non pas les porter ni les mettre en canard. Bon, là on a essayé de faire de façon plus pédagogique possible, on a fait des photos avec des croix pour en montrer d'ailleurs. L'idée de ces quelques diapos, c'est de montrer les différentes manières qu'on a eu dans le livre d'illustrer le propos. Alors dès que c'était possible par un dessin, parce qu'un dessin ça vaut toujours mieux qu'un long discours, eh ben on a essayé de le faire avec des dessins. Donc par exemple en haut, pour montrer un ski, ça a une semelle, des quarts, un talon, un patin, il y a tout un vocabulaire autour du ski qu'un novice ne connaît pas, et c'est important quand même de l'acquérir, parce que voilà, quand on vous parle, de savoir de quoi il s'agit. Pour le dessin en dessous là, quand on choisit ses skis, savoir à peu près quelle taille il faut. Et puis, quand on parle souvent du rayon du ski, c'est quoi le rayon du ski? C'est le dessin que moi, j'ai à droite sur mon écran. Donc, dès que ça a été possible dans le livre d'illustrer par un dessin, plutôt qu'un long texte, on l'a fait. Peut-être Philippe, tu veux expliquer un peu ce qu'on a essayé de faire à travers ça? Oui, alors là, on est déjà plus vers l'autonomie, mais montrer qu'il y a plusieurs façons de concevoir un itinéraire, qu'il y a des bonnes et des mauvaises traces, enfin des meilleures traces que d'autres. Et là, on a un exemple concret, c'est une course que nous avions faite, et on explique pourquoi il y a une mauvaise trace, celle qui est en rouge, et pourquoi la trace verte est beaucoup plus sûre. Là, on a un niveau de risque qui est probablement d'un rapport de 1 à 10 entre l'itinéraire rouge et l'itinéraire vert. On ne s'en rend pas nécessairement compte. Quand on regarde la première image, on dit que ça a l'air à peu près pareil. Mais en fait, quand on commence à regarder les pentes, ce qui est possible aujourd'hui grâce aux cartes, on s'aperçoit que la stratégie de choix d'itinéraire est déterminante en fait dans la gestion de course. Et donc sur les photos, on a fait figurer sur l'image du haut en jaune pâle, c'est les pentes à plus de 30 degrés. Donc on voit que par exemple la trace rouge, elle va franchement dans les pentes à plus de 30 degrés. Puis ensuite, on a même fait figurer les pentes à 35 et 40 degrés pour montrer que la trace rouge, effectivement, elle va vraiment dans des pentes extrêmement raides. Et par un danger de niveau 3, l'itinéraire rouge devient particulièrement risqué. Alors que on peut encore faire l'itinéraire vert. Voilà, donc on utilise dans le livre, on essaye quand on peut, plutôt que faire des longs textes, d'utiliser ce type d'infographie là qui mélange pour le coup de l'image avec une forme de dessin. Si on continue, on essaye un peu de... Alors là, c'est ce que disait Philippe tout à l'heure. Les bons et les mauvais gestes aussi. Les bâtons, parfois on est trop étroit, parfois on est trop écarté, mais on trouve le bon équilibre. Un des défauts très courant, c'est de soulever les skis. Alors les gens sont très fatigués parce que déjà ils ont des skis lourds et en plus ils les soulèvent, et à l'issue d'une demi-journée de ski de randonnée, ils sont exténués. Ils nous disent mais le ski de randonnée c'est vraiment trop fatigant. Oui, mais la technique aide à ce soit moins fatigant, et en fait tout l'art du ski c'est la glisse, et donc y compris quand on monte, et en montant, en faisant glisser les skis, on se fatigue beaucoup moins, et en mettant bien les skis dans la trace plutôt que les mettre en canard, là aussi on s'économise. Parce qu'en fait, le ski, c'est un moyen fabuleux de progression sur la neige. On explique aussi que le ski, c'est bien plus ancien que la roue dans l'histoire. Ça a 10 000 ans, le ski. Et c'est pas pour rien. C'est parce que c'est un outil génial, en fait. C'est un outil qui permet de démultiplier la mobilité d'un être humain. Il a été inventé dans les régions nordiques, dans les régions de Scandinavie, du nord de la Russie,
Et ça a permis à des peuplades de chasseurs-cueilleurs de détendre leur zone de chasse de façon très très importante. Et cette technique-là, c'est encore l'essentiel de ce qu'on utilise aujourd'hui. Voilà. Aujourd'hui, en ski de randonnée, on peut faire très facilement 30 à 40 km dans la journée. Et sans une fatigue excessive. Quoi. Sauf si on soulève les skis. Sauf si on soulève les skis. Si on met trop de choses dans son sac, si on marche en canard. Et si on soulève les skis, entre quelqu'un qui va glisser, donc pas soulever ses skis, ou vraiment très peu, et quelqu'un qui les soulève, mais à la fin de la journée, il y en a un qui a soulevé des tonnes. Parce qu'à chaque l'ensemble ski-chaussures, on est allé à peu près 2 kg, 2-3 kg. Si on soulève 2-3 kg à chaque pas, le nombre de pas, il faut imaginer, ça se chiffre en tonnes par rapport à la personne qui aura juste glissé. Donc il y a des éléments techniques qui sont tout bêtes, hein, mais qu'on essaye voilà, de montrer dans le livre. Alors, toujours pareil, dans le même esprit, bah, là, sur la descente. Là, pour... Descente, alors... Évidemment, rien ne remplace le terrain pour apprendre à skier. On ne va pas apprendre à skier en lisant un livre. En revanche, on a essayé de baliser les éléments clés. Et un des éléments clés, c'est la maîtrise du chasse-neige. Ça a l'air de rien, le chasse-neige, mais en ski de randonnée, c'est essentiel. Quelqu'un qui ne maîtrise pas bien le chasse-neige, ben, il va vraiment avoir des difficultés en ski de randonnée dans des tas de configurations. Il n'y a pas besoin d'être un très grand skieur pour se faire plaisir en ski de randonnée. Bien maîtriser le chasse-neige, ça peut servir, en particulier en forêt. Parce que il faut savoir... Éviter les arbres, voilà. Et parfois, c'est la seule solution. Le step aussi, c'est pas mal. Quand on a une neige qu'on connaît pas ou qu'on n'a pas l'habitude des neiges un peu différentes de celles qu'on a pu connaître sur la piste, bien c'est bien de savoir maîtriser le step. Autre technique, le dérapage. C'est essentiel de savoir bien déraper. Et bien déraper, on l'apprend moins en ski alpin. En ski de randonnée, c'est clé et ça permet de faire des très belles courses, y compris avec parce que une des dimensions du ski de randonnée, c'est aussi la pente. Donc on va aller chercher des pentes et parfois, dans un itinéraire, il va falloir gérer une pente qui peut être un peu plus technique, un peu plus difficile. Eh bien, ne serait-ce que connaître cette technique du dérapage, eh bien, ça va être essentiel. Si on continue encore dans les différents registres du livre, donc là on a vu les parties plutôt techniques. On a par exemple sur des documents qu'on va être amené à consulter pour préparer une course, là c'est par exemple le bulletin d'avalanche. Ben on essaie vraiment de le décortiquer. Voilà. Alors là c'est pas pour la partie 1, hein, c'est pour la partie 2. La partie 1, on est plus sommaire, mais sur la partie 2, on prend chaque rubrique du bulletin, voilà, les petites flèches, et on explique ce que va renseigner chaque rubrique du bulletin pour en tirer le meilleur parti. Donc voilà, parfois on a décortiqué comme ça des documents qui sont importants. Toujours dans ce souci d'essayer de transmettre, d'essayer de faire comprendre et d'essayer aussi d'être capable de trier, d'hiérarchiser les informations, de ne pas partir avec la tête comme ça, mais d'aller droit au but et de bien voir dans un bulletin ce qu'il faut retenir de ce qui est plus, je ne vais pas dire anecdotique, mais moins déterminant. Et un des freins à la pratique, à sa démocratisation, c'est le danger. Et le premier danger de ce qu'ils m'ont donné, c'est l'avalanche. Mourir dans une avalanche, c'est 30 morts chaque année en avalanche, c'est quand même beaucoup de ce qu'ils m'ont donné, il y a un peu de hors-piste aussi. Mais alors, déjà dans le premier livre, de façon plus documentée, mais ici, là, à destination d'un public plus novice, on explique que la gestion du danger d'avalanche, c'est tout à fait simple, à condition d'utiliser les bons outils et les bonnes méthodes. Voilà, donc on communique, on explique comment utiliser les bons outils et les bonnes méthodes, et c'est à la portée de tout le monde. Voilà, ça fait partie aussi de notre travail de démystification, parce qu'il y a beaucoup de mythologie autour des avalanches, du danger, etc. On pense que c'est très compliqué à gérer, etc. C'est des phénomènes complexes, mais il y a aujourd'hui des outils qui sont efficaces dans la gestion pour savoir déjà connaître le niveau de risque et savoir réduire ce niveau de risque que l'on va prendre. Voilà. Je continue. Mais... des diapos sur le. Alors, à la fin, là, je peux les montrer maintenant. Vas-y, sur le niveau. Ah oui, t'es sur le niveau. C'est après peut-être. Oui, c'est après. Tu veux plutôt le niveau de risque. Oui, si tu veux. C'est pour aller. Voilà, par exemple, voilà. Bah, j'avais ça. Oui, c'est ça bien. Qui... Oui. Bah, là, le niveau de risque. Là, c'est l'ensemble des outils. Là, c'est une représentation grosso modo d'une course. Le nombre d'informations dont on dispose et les options qui nous restent dans la gestion d'une course, eh bien, on pointe sur ce graphique, alors il faudrait que vous puissiez le regarder de près, les différents outils qui sont à la disposition du skieur et comment les employer.
Et là, c'est une présentation des méthodes de réduction. Donc, c'est une méthode de réduction qui permet de pour un débutant, par exemple, la méthode de réduction pour débutants permet de considérablement réduire le risque. Et alors, il y a des accidents tous les ans, etc. Mais en fait, avec un minimum de précautions, on peut atteindre des niveaux de risque qui sont très très faibles, quoi. Les niveaux de risque en suivant les méthodes qu'on préconise, c'est un risque qui est le même que celui que vous prenez en prenant votre voiture, quoi. Mm-hmm. Voilà. Mais c'est pas le risque qu'acceptent tous les skieurs. Il y a beaucoup de skieurs qui, souvent par méconnaissance, acceptent un niveau de risque très très élevé. Voilà. Et nous, on explique comment on fait la différence entre un niveau de risque élevé et un niveau de risque très, très élevé, et souvent sur des toutes petites portions d'itinéraire. C'est-à-dire que parfois, il suffit de renoncer à une petite portion d'itinéraire pour diminuer énormément le risque. On s'aperçoit qu'en fait, la partie dangereuse d'une course, c'est souvent quelques dizaines, quelques centaines de mètres. Donc la course, elle fait peut-être plusieurs kilomètres. Bah, parfois, juste en évitant, en contournant ou en renonçant à cette partie. Voilà. Donc, avec ces méthodes-là, on s'en rend assez, assez vite compte. Et contrairement à une idée assez encore répandue, moins heureusement, mais la plupart des accidents d'avalanche concernent des gens qui sont très expérimentés. Plus on a d'expérience, l'expérience est mauvaise conseillère en matière de neige, malheureusement. C'est-à-dire qu'on a tellement été confronté à un danger qu'on a l'impression que le danger n'y était plus. Mais en fait, le danger est toujours là, on a juste eu de la chance. Parce que heureusement, les avalanches ne tombent pas quand toutes les conditions sont réunies pour qu'elles tombent. Et malheureusement, donc ce qui produit ce phénomène où beaucoup de gens expérimentés en fait n'ont plus conscience du niveau de risque qu'ils acceptent. Et des accidents d'avalanche avec des débutants, c'est en fait relativement rare. Et en suivant ces éléments-là, on pourrait les réduire encore considérablement. Alors ça, ce qu'on montre là, ça fait partie dans le livre, hein, si on est toujours en essayant de comprendre comment fonctionne ce livre, ce sont des annexes, ce sont des sortes de fiches techniques, des aides-mémoires qu'on a réunies à la fin en 4 ou 5 doubles pages, où pour repartir à la fin du livre avec les idées claires, on a mis tous les outils essentiels. Donc par exemple, si je remonte, on a une liste de matériel pour une sortie à la journée. Ça permet de pointer, moi-même encore, j'y vais régulièrement pour ne pas oublier quelque chose. Plus c'est le genre de fiche, il faut la photocopier, voire même le plastifier, et on coche hein, quand on fait son sac. Hein, voilà. À droite, c'est après, faut le découvrir dans le livre, mais c'est une grille d'analyse du risque hein, qui permet d'oublier aucun paramètre. Hein. C'est comme un pilote d'avion, on va cocher toutes les cases et vérifier que tous les voyants sont au vert. Bon, on explique bien comment s'en servir. Donc ça, c'est toujours dans les annexes du livre. Et puis, alors sinon, si je reviens un peu en arrière, on a ce que Philippe disait tout à l'heure. On a un certain nombre d'encadrés dans le livre sur des doubles pages ou trois pages qui vont éclairer un aspect soit historique, soit culturel de la pratique. Parce que, comme Philippe le disait, le ski de randonnée, selon nous, c'est pas juste une activité sportive. C'est vraiment une culture. C'est une manière de vivre l'hiver. Et on a souhaité, au-delà de l'aspect un peu aride de la technique, hein, le matériel, les conversions, etc., on a voulu aussi insuffler dans le bouquin des éléments de culture, des éléments un peu politiques, comme cet encadré-là, voilà, des éléments historiques comme l'histoire du ski. Scientifique, même. Scientifique, oui. Comment fonctionne la neige, qu'est-ce qu'un flocon, pourquoi il y a des flocons qui ont 6 branches. On a un physicien dans l'équipe. Hein. Il manque le troisième auteur qui est professeur de physique à la fac. D'astuces photos aussi. Oui, des éléments plus pratiques, comment prendre des photos sur la neige, réussir ces photos sur la neige. Voilà. Bon, on a essayé, au-delà de la dimension purement technique, d'apporter voilà, des éléments comme ça de culture, de l'activité qui nous semble au moins tout aussi important que la partie technique. Et qui enrichit aussi peut-être la connaissance qu'on peut avoir de la montagne et du ski. Par exemple, aujourd'hui, on associe beaucoup le ski aux Alpes. Des Alpes, c'est des skis, le ski c'est des Alpes. En fait, le ski est arrivé très tardivement dans les Alpes, quand on reprend l'histoire. Les Alpes ont été un des derniers endroits du monde, enfin du monde, en tout cas de l'hémisphère nord, auquel on a pratiqué le ski. On pratiquait depuis bien plus longtemps le ski en Scandinavie, en Russie, etc. Mais c'est intéressant de voir comment le ski est arrivé dans les Alpes, et il est arrivé notamment par les chasseurs alpins. Quand on voit un recré, on explique ça, cette histoire.
histoire qui est intéressante. Et alors aujourd'hui, évidemment, les Alpes sont associées à ski. Ski alpin. Et tome 1. Donc ça veut dire tome 2. Ah oui. 3, 4, 5. On le demande beaucoup d'ailleurs. Bah, déjà, faut lire le tome 1 pour voir si. Non, bah, le tome 2, on donne quelques pistes sur le contenu du tome 2 dans la conclusion du livre. Tu peux voir si tu veux en lire un mot. La conclusion du livre, c'est page où on ouvre un peu la porte à ce que pourrait être un tome 2. Voilà. D'autres pages blanches, page 262. Voilà. Ça tout pas forcément, non, non, juste la page 263 par exemple. L'accès au sommet. Oui, par exemple. Ouais. L'accès au sommet escarpé ou vers les glaciers de haute montagne combine les techniques de ski de randonnée et celles de l'alpinisme. On pratique alors le ski alpinisme qui, dans ses formes les plus radicales, ouvre de nouveaux horizons selon son appétit pour la pente ou le chronomètre. Au-delà de 40 degrés, le relief s'incline sérieusement. On s'engage dans l'univers de la pente raide, le ski du vertige. Le skieur s'implique totalement, au même titre que le grimpeur, le solo interdit la chute. La compétition de ski alpinisme comblera celles et ceux qui ont besoin de tout donner dans une confrontation avec eux-mêmes, les autres et le temps. Le ski de rando peut se vivre également comme un fabuleux prétexte au voyage et à la rencontre. Parvenir ski au pied dans un hameau de l'Elbrouz en Iran ou une cité minière de l'Oural polaire attise toujours la curiosité et brise immédiatement la glace. L'obstacle de la langue est sans importance après un cours de ski improvisé suivi d'un thé brûlant accompagné d'une assiette de biscuits. Avec ce livre, nous voulions seulement entrouvrir la porte de ce nouvel univers dont il demeure bien des facettes à découvrir et de pentes à tracer. Voilà, ça ouvre un peu. Rendez-vous dans un an ou deux, là. Plutôt dans deux ans, je crois. À prendre le temps de voilà. Mais c'est vrai que ça peut être une façon de voyager. Oui voilà. Ouais. Il y a plein de ce qu'on a. Ski, voilà, ce qu'on a voulu dire dans cette conclusion, c'est que là, ce qu'on présente, c'est vraiment les débuts, hein. Mais qu'en fait, il y a le ski de randonnée a plein de facettes. On évoquait le ski de pente raide, le raid à ski, la compétition, le voyage à ski. Certains font du notre compagnon là, et d'écriture, lui, il adore faire du bateau ski plutôt. Ouais. Et puis lui, il fait du camping ski. Lui, il travaille sa tente et il part aussi, en raid à ski avec sa tente. Il y a vraiment plein de manières de le pratiquer. Alors pourquoi pas envisager de l'évoquer, de donner des conseils dans un tome 2. Et est-ce que c'est pas l'avenir justement du ski ? Enfin, c'est le passé, mais c'est aussi l'avenir. Ah bah c'est l'avenir, c'est évident, parce que les stations, en fait, elles sont... L'avantage du ski de rando, c'est que vous allez là où est la neige. Quand vous êtes la station, elle est obligée, c'est pour ça qu'elles sont dans des fuites en avant, de production de neige, avec des réserves collinaires, des tuyaux dans tous les sens, une dépense d'énergie délirante. Alors que le ski de rando, c'est bien sûr l'avenir du ski, avec des manteaux neigeux qui vont devenir plus aléatoires, une neige qui sera, dont la répartition elle aussi sera plus aléatoire. Vous pourrez faire le ski de rando, il n'y a pas de mauvaise saison de ski de rando en réalité. Il y a toujours de la neige quelque part. Alors que les stations, il y a des années où il n'y a pas de neige, où c'est de la pure neige à canon. Donc, oui, c'est l'avenir du ski de rando. Oui. Et même l'avenir du ski tout court. L'essence de l'alpinisme, de la pratique de la montagne, ça a toujours été l'adaptation de l'homme à la montagne. Et pendant quelques décennies, là, des années 30 à encore quelques années, on a renversé. C'est-à-dire qu'on a essayé d'adapter la montagne à l'homme. Mais on voit que ça ne marche pas très bien. Donc nous, on pense que le long terme va revenir. Le ski de rando, c'est quelque chose qui va se pratiquer tout le temps, cette adaptation de l'homme à la montagne. Avec plus ces infrastructures de remontée mécanique et ces coûts exorbitants aussi. Oui, on essaye d'expliquer, alors ça c'est une dimension plus politique ou disons plus société du livre, on essaie de poser la problématique du développement de ski qui a été vu uniquement sur l'aspect du ski mécanisé, alpin, etc. Alors qui évidemment a permis de plein de gens de découvrir l'activité, nous aussi, mais qui pose des vraies questions, notamment de financement, de pérennité, d'impact sur le milieu. Un paysage, ça se mérite aussi. Hein. Voilà, c'est pas la même chose.
ce sont deux experts. Une journée de ski, ça peut être très sympathique dans une station, mais une journée de quelqu'un qui a fait du ski à alpin, d'un coup vous l'emmenez faire une journée de ski randonnée, mais ça va être tout autre chose. Il va vous en parler, mais pendant des semaines. Voilà. Après, évidemment, quand on a plus l'habitude, ça devient. Cette expérience du ski de randonnée est une expérience beaucoup, beaucoup plus riche qu'une expérience de Luna Park ou de remonter. Avec la descente quand même en cadeau à la fin de la journée. Voilà, dans la poudre, évidemment, elle n'est pas toujours là, mais il y en a souvent. Il faut aussi apprendre à la trouver, y compris là, la semaine dernière, c'est il y a 10 jours. Ça fait quand même, on a eu 4 semaines d'anticyclones, malgré tout, on arrive à trouver des pentes dans lesquelles on a un peu de bonne neige. C'est aussi l'art du ski, de savoir, d'apprendre à connaître le milieu. Un ski militant. D'une certaine manière, oui. Non, oui, mais c'est qui essaye de s'adapter à l'époque qui vient, quoi. Pas longue vue au ski de rando, en tout cas. Vous avez d'autres questions? Oui, bien sûr, allez-y. Oui. Ski de rando, moi j'avais commencé le ski de rando en Suisse, donc c'était peu de fois. Est-ce qu'il y a une différence culturelle, c'est linguistique ou... Non, en fait, il y a beaucoup de termes. On disait le ski sauvage. Un des premiers bouquins sur le ski de rando, c'était François Lapente, ça s'appelait ski sauvage. Voilà. Il y a eu ski de rando, ski de randonnée, pot de phoque aussi, bien sûr. Ski de printemps, bien sûr. Maintenant, il y a ski alpinisme, il y a ski de montagne. Voilà. Mais c'est une grande famille. Faire de la peau, dans le jargon du milieu, on va faire de la peau. Justement, les peaux, là, à l'origine, en fait, est-ce qu'on a réellement utilisé des peaux de phoque? Parce qu'on dit à tort maintenant des peaux de phoque, le terme peau de phoque. Oui. Mais est-ce qu'on... Moi, j'ai toujours connu, ça fait 25 ans que j'en fais, mais j'ai toujours connu le terme peau de phoque. Est-ce qu'au début, en fait, j'ai jamais touché un phoque, le poil à revers doit... Historiquement, alors on a utilisé des pots de phoque, j'en ai moi à la maison des pots de phoque en phoque, mais d'une façon beaucoup plus large. Et alors la peau de bête est employée sous les skis depuis plusieurs millénaires. Voilà. On a des traces archéologiques de skis qu'on a retrouvées dans lesquelles on a des trous qui servaient à faire tenir les peaux, alors qui n'étaient pas nécessairement de phoque, qui pouvaient être de renne, qui pouvaient être de lapin, enfin de lièvre ou de différents animaux et qu'on mettait sous les skis. Alors, on a une photo qu'on a faite en Russie, enfin fond de la Russie, où on voit des skis qui étaient employés par les nénettes, des peuples nomades du nord de l'Oural, qui étaient avec des peaux de bêtes aussi. Je crois que c'est des peaux de rennes, je ne me souviens plus. De rennes. Donc c'est quelque chose qui est très ancien, y compris. Alors, l'avantage du phoque, c'est que c'était assez rigide, les poils. Se couche pas, il y avait une bonne accroche, quoi. Oui, c'était pour vrai. Voilà, c'est ça. C'est à la Pit Mongui dans le nord de l'Oural. Et c'est intéressant de. Moi, on en a utilisé en France. C'est très récent en France. En France, c'est fin 19e en fait. Alors qu'on pratiquait depuis des millénaires l'activité en Scandinavie ou dans le nord de la Russie. En France, c'est arrivé dans les Alpes, c'est Duhamel, à Gières, à côté de Grenoble, c'est fin 19e, quoi. Puis Briançon, puis en Savoie, Chamonix, on va avoir un des précurseurs du ski dans les Alpes, c'est Dr Payot, c'est Chamonix, qui va faire un exploit à l'époque, Chamonix-Zermatt. C'est incroyable de se lancer dans une aventure pareille à l'époque. Il y a encore des pots, si on parle des pots. À l'époque, c'était des pots de phoque qu'ils avaient. Et maintenant, il y a des pots en mohair, en fait. Alors, c'est des pots, donc poils de chèvre, quoi. C'est les compétiteurs qui utilisent ça, parce que ça glisse très bien. Et en revanche, ça coûte assez cher. Et ça s'use très vite. Donc, la plupart des gens maintenant utilisent un mélange mohair synthétique, quoi. Et il y a des pots entièrement synthétiques. Et plus de phoques depuis quand même un moment. Depuis Brigitte Bardot. Voilà. On protège les phoques. Là, on voit le titre, la première haute route, et la seconde, il y a un ordre chronologique Non, ça c'est la première historique. C'était la première historique, Chamonix-Zermatt, qui est maintenant un raid très, très fréquenté, très, très célèbre. Mais du coup, on a voulu éclairer un peu ça en donnant quelques records. Le terme de haute route, c'est un terme qui est un petit peu passé de mode aujourd'hui. C'est un terme qu'on employait beaucoup dans les années 70, 80. Voilà, il y a l'Altra Strada en Corse, il y avait la haute route des Écrins. Chamonix-Zermatt étant la haute route la plus célèbre. Et aujourd'hui, ça se pratique un peu moins, les randonnées itinérantes en raid. Ça se pratique toujours, bien sûr. Mais
beaucoup se pratiquent plutôt en étoile, c'est autour d'un refuge, où on va faire deux jours un refuge, puis un autre refuge en étoile. Le concept de haute route, je pense, est beaucoup moins fort qu'il a été à un moment donné. Quoi. Et j'en ai plus le temps. Aussi, peut-être. C'est vrai. La semaine entière, etc. Oui. Donc, il y avait un niveau d'engagement aussi qui était important dans votre route. Consommation est faite tout de suite et rapidement. Oui, vite en haut, vite en bas. Ouais. D'ailleurs, le phénomène, on parlait du scalpinisme, beaucoup de gens du trail en fait, sont des gens tout de suite et rapidement. Voilà. Ah, c'est un peu une autre approche qu'on propose dans le livre. Voilà. Non, je pense que tout le monde disait tout à l'heure que c'est un peu l'avenir du ski. C'était le passé, mais c'est l'avenir, j'espère, en fait, donc, personnellement. Ouais. Les gens vont revenir. Mais c'est vrai qu'il y a pas... tranquillement la montagne. Il y a quand même du monde partout aussi. Il y aura du monde partout. Il ne faut pas qu'il y ait trop de monde. Il y a de la place hein, quand même. Oui, il y a de la place, mais on voit tous les gros itinéraires maintenant. C'est vrai que les gens se fait doubler par les trailers, c'est l'horreur. Quoi. Eux, ils courent. Enfin, nous, on nous dit qu'il faut glisser, mais eux, je ne sais pas comment ils font, mais ils courent. Quoi. Sur la neige, dans des tenues en pipette là. Après, c'est une dimension de l'activité. À un certain âge, on peut avoir du plaisir à se confronter au chrono, à soi-même. On a besoin d'un extra. Voilà. Bon, après, je ne sais pas si. Passer une vie de ski à faire ça, c'est sûrement un peu dommage, mais moi, je peux comprendre qu'à un moment de sa vie, on puisse. Et la compétition a apporter aussi des éléments à la pratique, notamment au niveau du matériel. Il y a 30 ans, moi, quand j'ai débuté le ski de randonnée, on avait du ski lourd, des chaussures mal adaptées, des fixations merdiques, des plaques qui se cassaient, etc. On a surtout gagné en légèreté et en praticité. Aujourd'hui, vous voyez beaucoup de techniques qui sont devenues des techniques grand public de ski de rando. En fait, elles viennent de la compétition. En fait. Ouais, c'est vrai. Le matériel aussi. On a fait un chapitre sur la low-tech, les fixations qu'on a tous aujourd'hui. C'était pas du tout très bien. Au début, quand ça s'est arrivé, tout le monde disait « Oh, ça va casser, c'est nul. » Mais en fait, aujourd'hui, il n'y a plus que ça. Ça s'est imposé grâce à la compétition. La compétition a permis d'éprouver en fait, cette technique-là. Est-ce que la légèreté du fibro ne va pas aussi venir sur le ski piste? Parce qu'on sait pas, qu'il y a des chaussures de ski de rando qui sont celles qui sont certaines gars, en fait, sont aussi légères, confortables. Chaude malgré tout, par rapport à une chaussure de ski, maintenant je ne pourrais plus mettre une chaussure de ski classique. Ah, bah ouais, c'est comme vous, hein. je ne saurais plus mettre une chaussure de ski. Oui, exactement. Même courir avec. Oui, ouais. Et peut-être qu'un jour ça va aussi aller, parce qu'il y a des gens qui ont, dans les bois, traîné leur base de ski classique. Il y a eu pas mal d'innovations dans le ski de randonnée, peut-être aussi parce que c'est une petite niche et où tout n'était pas figé, c'était plus ouvert à l'innovation. Par exemple, l'un des inventeurs dans le domaine du ski de rando, c'est Pierre Gignoux, qui a fait de la compétition, qui a gagné plusieurs courses et qui a construit des chaussures en carbone, qui se sont en fait assez rapidement imposées par la compétition aussi, parce que ça démultipliait la performance en fait de chaque compétiteur. Ça permettait d'aller plus loin, plus haut, plus vite, etc. Et il a cherché à transposer ça dans le ski nordique. Alors aujourd'hui, ça s'est imposé, mais ça a mis beaucoup plus de temps dans le ski nordique, alors que l'enjeu était aussi important, y compris en compétition, que ça l'a fait. Dans le ski randonnée, ça s'est relativement assez vite imposé, même si évidemment tout le monde n'a pas encore des chaussures en carbone parce qu'il y a le problème du prix. C'est intéressant d'observer ça, la capacité finalement à. L'intérêt qu'il y a eu, mais ça c'est vrai aussi dans l'alpinisme, il y a plein d'innovations. Bah, sur Moni, il y a beaucoup de choses qui ont été inventées ici, créées, parce que c'est des défis aussi qui peuvent prendre une tournure technique. Quoi. On raconte ça à travers la low-tech, parce qu'au départ, la low-tech, c'était. Ce qui est intéressant, en fouillant sur la question, je me suis aperçu finalement, la low-tech s'inspire des vieilles pratiques de ski. C'est-à-dire que l'épisode des fixations à plaques, quand vous avez débuté, moi j'ai débuté avec des fixations à plaques, voilà. On avait les Petzl Marker, il y avait plusieurs. Voilà. En fait, c'est un temps court dans l'histoire du ski de rando. Avant et après,
En fait, on a des liaisons qui sont sur l'avant seulement de la chaussure. Ouais. Il n'y a plus besoin de la plaque, en fait. Cette idée de plaque était finalement une idée saugrenue qui s'est imposée à un moment donné et qui finalement a été oubliée depuis. Maintenant qu'à l'hôtel, on se demande si on peut encore plus alléger, en fait. Ouais, il y a quelques... En compète, ils rongent un petit peu, ils arrivent à en faire gagner encore un petit peu. Après, il faut que les ergots, ils aillent se fixer sur le pied directement. Non, là, ouais, ça évoluera peut-être, mais... Ça va, mais dans 10 ans, on dira, mais c'était complètement... Peut-être qu'à l'hôtel, c'était déjà trop lourd. Oui, bah, c'est quand même imposé. Vraiment, c'est intéressant comme phénomène, parce que je me souviens au tout début, vraiment, c'était regardé de haut, etc. C'est quoi ce machin et tout. Et maintenant, il n'y a plus que ça. Il n'y a plus aucun fabricant qui fait ça. Mais justement, il a fallu la compétition qui éprouve énormément le matériel, où à la fois ils font des normes dénivelées. Un compétiteur, ça fait 100 000 mètres de dénivelé dans une saison. Ils skient dans des zones aussi assez raides. Hein. En compète, il peut y avoir des couloirs assez raides pour qu'on se rende compte qu'en fait, ça tient dans le raid, ça lâche pas. Alors que c'était un mythe au départ. Oh là là, mais tu fais du raid avec ça, ça peut tout partir. Il faut des vrais fixes de piste. Ça, c'était un mythe. Et puis la pseudo fragilité, en fait, c'est extrêmement beaucoup plus solide que les fixations à plaque, etc. Donc c'est vrai que on n'est pas spécialement, toi tu as fait un peu de compète, on n'est pas issu de ce milieu-là, mais il faut reconnaître que la compétition dans le domaine du ski alpinisme a apporté quand même pas mal de choses. Hein. Sur la chaussure, la fixation, on les skis après d'un certain type de ski, quand même ultra léger, qui sont pas sur le poids du ski, ça a imposé des poids de ski beaucoup plus. Et le poids de ski, ça peut paraître assez anecdotique. Enfin, on se dit, moi je ne suis pas compétiteur, pourquoi je prendrais. Mais en fait, avoir des skis légers, c'est de la sécurité parce qu'on est plus en forme. Ça étend aussi le champ des possibles. Quand on a des skis légers, on appréhende beaucoup moins un dénivelé plus important parce qu'on arrive à les emmener. Alors que quand on est équipé lourd, c'est pas pour faire de la performance, mais c'est juste qu'on va fatiguer plus vite, on va pouvoir aller moins loin. Et au final, c'est un peu dommage de restreindre son champ d'activité. Et puis même en termes de sécurité, quand on commence à avoir les jambes fumées parce qu'on traîne du gros matériel, on est plus lent, on respecte plus l'horaire, on peut se faire mal. Donc la légèreté, ça faire illusion en vieillissant aussi. Il y a du de plus en plus longtemps. Qu'est-ce qui peut évoluer dans le milieu du ski de rando maintenant en termes de... Le matériel, qu'est-ce qui va évoluer? Je pense que la chaussure, il reste encore des... Là, ça a bien évolué ces derniers temps. Hein. Ouais. Ça a bien évolué. Après, les skis, je pense qu'on va encore les faire évoluer. Après, peut-être le matériel de sécurité aussi va pouvoir évoluer. Après, en fait, tout évolue. Donc... Les DVA beaucoup plus... Ouais, plus simple, peut-être plus performant, moins cher. Là, on arrivait quand même à un bon niveau de DVA. Il y a eu un flottement, hein, parce qu'au début, on avait des analogies qui étaient bien, qui avaient prouvé leur efficacité. Il y a une transition qui était vraiment assez catastrophique. Hein. On avait des numériques à une antenne qui n'était en fait pas du tout performant. Deux antennes qui étaient très moyennes parce qu'une portée très faible. Et aujourd'hui, on a trouvé le modèle de trois antennes et vraiment, là, ça va. Est-ce qu'on sait s'il y a des... À ce moment, est-ce qu'on cherche à faire évoluer ce délai vers plutôt quelque chose qui soit sur un téléphone portable? Ouais, on a... on les bombe depuis longtemps. En fait, qui... Réparateur, mais enfin... Ça a été souvent évoqué, mais on n'a rien vu venir en fait. Ça a souvent été évoqué. Non, ça n'a pas pu encore. Le marché n'est pas assez gros, Et il se pose le problème de l'interopérabilité, de la transition. C'est-à-dire qu'un modèle de nouveau, il faut qu'il puisse être interopérable avec un modèle ancien. Parce qu'on ne va pas avoir. Sinon, c'est-à-dire que si votre copain n'a pas le même DVA que vous, vous ne pourrez pas aller le chercher. Donc il y a c'est un des enjeux de l'évolution vers d'autres techniques. Alors aujourd'hui, ils ont introduit les liaisons radio entre DVA. Il y a plusieurs fréquences. Hein. Il y a la fréquence qui permet de rechercher, mais il y a aussi une fréquence qui permet d'avoir des informations. Ce qui fait que vous savez s'il y a 1, 2, 3. Ce qui permet aussi de savoir quel est l'état de la personne qui est ensevelie. Mais finalement, cet apport-là, il est assez modeste. Hein. Même les secouristes, je crois qu'ils l'utilisent très peu. Ils n'utilisent pas. C'est pas...
Donc on peut imaginer d'autres choses. C'est vrai que la question, on se dit, bah, maintenant on l'a tout sur le téléphone, pourquoi on n'aurait pas le DVR, ça serait bien. Mais c'est pas encore au point. Un DVR intégré dans un téléphone, pour aller à un moment. Ou un DVR qui fait aussi téléphone. Ouais, peu importe. De toute façon, les téléphones, on s'en sert plus pour téléphoner, donc maintenant. Mais une des dimensions peut-être techniques les plus importantes aujourd'hui, c'est aussi tout ce qui est carto sur téléphone et GPS sur téléphone. On utilise de moins en moins des GPS en tant que tel, ou alors c'est des GPS qui ont la carto. Et maintenant, les téléphones sont quand même assez performants en termes de GPS. Il y a un vrai problème de batterie, il faut apprendre à gérer la question de la batterie. On a un petit chapitre là-dessus aussi. Et surtout, on a des applications qui sont de plus en plus utilisables sur le téléphone. Bah, par exemple, le Géoportail, Iphigénie pour la carto en France, mais c'est pas aussi Suisse Topo en Suisse, ou Citron Go aussi. On va avoir de plus en plus d'applications comme ça qui vont être utilisables sur le téléphone, qui sont intéressantes. Quoi. C'est vrai que de moins en moins, on utilise les cartes papier. Bah c'est en Suisse, ils ont décidé d'arrêter la production de cartes papier, c'est ça, hein. Et c'est que à la demande, maintenant, je crois. C'est une sacrée évolution, quand même, mais ça va vite. Donc, dès qu'on perd le téléphone. Oui, aussi, voilà. Qui marche plus. C'est jamais linéaire, un progrès. Hein. Parfois, on recule, aussi, par certains aspects. Hein. Ouais. Ben, en tout cas, merci. Hein. Super, on va en savoir beaucoup plus sur le ski de rando grâce à ce petit guide, et on attend avec beaucoup d'impatience le tome 2 pour les super bons pratiquants. J'avais une petite question. Oui, allez-y. Oui. Il y a une région dans le monde où vous avez fait du ski de rando un petit peu partout, je pense. Une région vraiment dans le monde pour laquelle vous avez une affinité particulière. Un cœur vraiment... La Savoie. Ça, c'est savoyard. Voilà. Dans le monde. Ça, c'est assez personnel pour moi. Alors, il y a le contexte météo qui est particulier, mais la Norvège, c'est absolument génial. Quoi. C'est... Oh, quand il fait beau en Norvège, c'est vraiment le paradis sur Terre. Quoi. C'est ce qui est dans les fjords de Norvège. Moi, c'est pour moi une expérience fabuleuse. Quoi. Mais après, il y a plein d'autres endroits, parfois à proximité aussi, qui peuvent être bien. Mais... Le mélange mer-montagne est quand même assez... Dormir sur le bateau. Dormir sur le bateau, avoir son bateau et venir, bateau-refuge en fait, venir au pied de l'itinéraire et repérer peut-être une descente et le bateau qui vient nous chercher, mais on n'est pas sûr, on a la radio, on s'appelle, et c'est des expériences fabuleuses. Il y a de la magie. Mais on a fait des très belles choses en Islande aussi, en Iran, c'était fabuleux. Ouais, des belles choses. Dans l'Oural polaire, c'était très étonnant. C'était une expérience... Caucase. On a eu de la chance, en fait, ça c'est par notre métier de journaliste, de faire beaucoup de voyages à ski. En fait. Mais déjà juste à côté de chez nous, c'était très bien. Une belle journée en Beldonne, moi qui suis au Lavois, c'est parfois fabuleux. Mais et puis loin de la foule, loin du bruit. Et c'est un voyage en tant que tel. Une journée de ski de rando, c'est parfois un voyage, mais vraiment complet, avec tout ce qu'il y a de dépaysement, d'incertitude, de part d'inconnu dans la gestion d'itinéraire ou du temps, etc. Le partage avec les copains, les compagnes, les compagnons. Donc, vive le ski de rando.